Tarte au quetsch. Préparez les ingrédients. 1 kg de quetsch congelé ou fraîche. Une pâte sablée. Je vous donne ma recette en description. 4 cuillères à soupe de sucre. Commencez par laver les quetsch. Les essuyez ensuite avec un torchon de cuisine propre. Puis, les coupez en deux et enlevez le noyau. Vérifiez aussi qu'elles ne contiennent pas de verre. Sortir la pâte sablée du réfrigérateur. Préchauffer le four à 170 degrés Celsius. L'étaler au rouleau à pâtisserie sur un plan de travail enfariné. Ensuite, beurrez un moule à tarte. Puis, mettre la pâte sablée dans le moule. Piquez le fond de tarte avec une fourchette. Poursuivre en mettant les chutes de pâte sur du papier sulfurisé. Les mettre au four à 170 degrés Celsius pendant 20 minutes. Les sortir ensuite du four et laisser refroidir quelques minutes. Puis, les broyer dans un bol pour en faire des miettes fines. Étalez les miettes de pâte sablée sur votre fond de tarte. Cela permettra d'absorber le jus des fruits lors de la cuisson au four. Déposez ensuite dans le fond de tarte vos quetsch coupés en cercle en commençant par l'extérieur. Continuez jusqu'au centre de la tarte. Finir en saupoudrant le sucre et mettre au four 40 minutes à 170 degrés Celsius. Puis, sortir la tarte du four et la laisser refroidir. Votre tarte au quetsch est prête. Bonne dégustation. Si vous avez aimé cette recette, abonnez-vous à notre chaîne.